Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui sera une vidéo de présentation de matériel et dans laquelle nous allons parler de l'Arduino Douai. La carte Arduino Douai est la première carte Arduino basée sur une architecture ARM 32 bits. Usuellement, les cartes Arduino sont plutôt basées sur une architecture ATmega 328. La carte Arduino Douai accueille un microcontrôleur Atmel SAM3X8E ARM Cortex M8. Le Cortex M8 propose plus de performances que les habituels contrôleurs 8 bits que l'on trouve sur les cartes Arduino. En particulier, l'ARM Cortex M8 de la carte Arduino Douai permet des vitesses d'horloge du CPU de 84 MHz avec 96 kg de SRAM ainsi que 512 kg de mémoire flash pour le code. Elle possède 54 entrées-sorties numériques qui sont à ce niveau, ainsi qu'à ce niveau, dont 12 peuvent être utilisées pour les PWM. Donc les PWM sont à ce niveau. 4 ports série UART qui sont ici, ainsi qu'ici. Donc le port TXRX et puis TXRX 1, 2, 3. 2 ports USB. L'un est dit natif et l'autre est programmable. Les deux sont utilisables pour injecter vos programmes dans la carte. Cependant, il est recommandé d'utiliser le port programmable qui fonctionne même si le MCU a planté auparavant. 2 digital to analog à ce niveau. Une prise d'alimentation qui utilise une tension d'alimentation recommandée de 7 à 12 volts et une tension de limite entre 6 et 20 volts. Il est à signaler que le courant pour la broche de 3,3 volts ainsi que pour la broche de 5 volts qui sont à ce niveau ne peut excéder les 800 mA. Nous avons aussi à ce niveau un header SPI ainsi qu'un header JTAG. Et enfin, on a un bouton reset et un bouton erase. Il faut faire attention car contrairement aux autres cartes Arduino, la Mega ou la Uno ou bien la Leonardo, les ports d'entrée-sortie de cette carte Arduino Douai sont destinés à recevoir uniquement des niveaux logiques de 3,3 volts. Toute tension supérieure appliquée comme du 5 volts risque d'endommager la carte. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation de la carte Arduino Douai. Dans nos prochaines vidéos, nous aborderons en détail sa prise en main et son utilisation. D'ici là, je vous invite à nous donner vos avis et vos remarques sur cette vidéo ou bien sur une autre de nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Et bien sûr, à nous suivre et interagir avec nous via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.